Ce jeudi soir, Gilles Lellouche a illuminé le tapis rouge parisien lors de l'avant-première de Leurs enfants après eux, une adaptation cinématographique du roman de Nicolas Mathieu, accompagnée de l'auteur qui partage sa vie avec Charlotte Kaziraghi, l'actrice Ludivine Sagnier était également présente pour célébrer cette œuvre attendue. Cependant, l'absence notable de Charlotte Kaziraghi, fille de Caroline de Monaco, n'a pas manqué de susciter des interrogations. Si le couple semble s'afficher davantage en public, comme en témoigne une récente couverture du magazine Public, Charlotte a choisi de ne pas assister à cet événement marquant. Une décision qui, selon certains, reflèterait sa volonté de maintenir une frontière claire entre vie privée et engagement professionnel. En conséquence, une officialisation de leur relation ne semble pas à l'ordre du jour. Réalisé par Ludovic et Zoran Boukerma, Leurs enfants après eux. Plonge dans les méandres de l'adolescence, explorant avec sensibilité des thématiques intemporelles telles que l'amour, la quête de soi et la transmission intergénérationnelle. Inspiré du roman lauréat du prix Goncourt 2018, l'histoire se déroule en partie dans les paysages des Vosges, offrant un cadre authentique à cette fresque émotionnelle. Lors d'une conférence de presse, Paul Kircher, acteur principal du film, a partagé son expérience et l'impact de ce rôle exigeant. Il a exprimé son émotion face à ce projet unique, soulignant l'importance de raconter des histoires qui résonnent universellement, notamment auprès des jeunes générations. Ce long métrage promet de séduire à la fois les amateurs de littérature et les passionnés de cinéma, consolidant ainsi la réputation de Gilles Lellouche en tant que figure incontournable du 7e art.